Bonjour à vous tous, c'est Muriel, voyante, tarologue, chamane, médium. Je vous fais une petite vidéo, comme je vous avais promis, sur les présidentielles avec Macron. Est-ce que Macron va repasser aux présidentielles? Voilà, donc je me remets ma caméra normalement. Là, vous devriez voir mieux. Et je vous fais un tirage avec l'oracle des Bélines. Est-ce que Monsieur Macron va repasser au présidentiel? J'avais un petit doute. Qu'est-ce qui tombe? Les plaisirs. Nous allons voir lesquels plaisirs, les siens ou les nôtres. Est-ce que Monsieur Macron va repasser au présidentiel? Je me concentre. Alors, est-ce que Monsieur Macron va repasser au présidentiel? Est-ce que Monsieur Macron va repasser au présidentiel? Alors, les cartes sont intéressantes. En centre de jeu, vous avez l'homme, Monsieur Macron. À ma droite, c'est le présent, ici. À ma gauche, le changement. Alors, déjà, quand on voit ces deux cartes, on peut se dire, au présent, Monsieur Macron est là, et plus tard, il y a un changement. Ça peut être très bon pour nous. Élévation dans la spiritualité pour nous, le groupe, le monde, élévation dans tout ce qui est spirituel. Donc, les gens réfléchissent. Est-ce qu'il serait peut-être mieux de voter quelqu'un d'autre? Vous voyez, parce que j'avais fait plusieurs jeux où je voyais Monsieur Macron au présidentiel. Donc là, ça change déjà. C'est pour ça que j'ai préféré attendre, hein. Ici, vous avez le soleil. Et là, l'aigle couronné qui peut représenter quelqu'un d'autre. Un duel, vous voyez, entre Monsieur Macron actuel et quelqu'un d'autre ici, qui serait couronné. Donc, il y aurait bien quelqu'un d'autre. Je recouvre. Est-ce que Monsieur Macron va passer au présidentiel? Alors, c'est super. C'est super, c'est super. Avec l'intelligence en centre de jeu ici, on retrouve la stérilité. Ça, c'est la carte de la stérilité. Donc, normalement, il ne devrait pas passer. C'est stérile. Ici, sur le changement qu'on a sorti tout à l'heure, vous avez la carte bleue. Meilleure carte des tarots des Bélines. Protection divine. Donc, normalement, il ne devrait pas passer. La personne qui passe ici, elle sera mieux que Macron, mais bon, toujours l'argent, attiré par l'argent. Vous voyez? On voit ici. L'aigle couronné et là, l'argent encore. On regardera après. Élévation spirituelle pour le monde et la table réunion familiale. Alors là, on ne voit même plus le Covid, hein. Vous voyez, vous avez Vénus en protection ici, réunion familiale. Ça se passe bien dans l'année 2022. Je recouvre. Est-ce que Monsieur Macron va passer au présidentiel? Non. Non, 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 non. Alors, il y a bien quelqu'un d'autre qui prend la place à Matignon, à l'Élysée. Vous avez ici donc l'aigle couronné, quelqu'un qui aimera l'argent. De toute façon, ceux qui sont au pouvoir aiment tous l'argent. Et là, vous avez la maison ici avec le soleil. Donc, il sera bien à l'Élysée. C'est quelqu'un d'autre. Monsieur Macron, lui, il se retrouve despotisme, enchaîné. On fera une autre vidéo là-dessus parce que moi, je voyais comme un procès dans le futur. Donc, on voit, vous voyez, ça peut représenter. Ici, vous voyez, une personne enchaînée. Mars, c'est pas bon, c'est la guerre, c'est le monde dans les rues, c'est la foule, c'est, vous voyez. Et dans le futur, Macron, hop, départ. Vous avez un départ. Ça doit être écrit sur la carte. Voilà. Vous voyez pas parce que c'est à l'envers. Le départ. Et là, bien sûr, la guerre entre deux personnes. Hein, donc, ils se retrouvent sous les deux, ils se battent. Alors, apparemment, ils sont pas. C'est la peste et le choléra, quoi. Mais bon. Ça sera mieux quand même avec l'autre personne. Ça sera mieux quand même avec l'autre personne. Voilà pour ce petit tirage que je voulais vous faire avec l'oracle des Bélines. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je reviens très vite vers vous. À bientôt. Je vous embrasse tous. Vous pouvez liker ma page, la partager et mettre des jolis commentaires comme je les aime. Je vous répondrai. À bientôt. Au revoir.